Bonjour à tous, ici Cléa Sim et on se retrouve pour un live un vendredi soir plutôt que un mercredi puisque j'ai pu m'arranger pour faire un live en fin de semaine, début de week-end pour qu'un petit peu tout le monde puisse participer. Voilà, donc on se retrouve ce soir pour un live sur le DLC The Republic hein, avec toujours la République de Venise, la famille des Participazio, qui actuellement donc règne en maître sur cette cité marchande. Nous sommes toujours donc non pas des nobles, mais des bourgeois, hein, je le rappelle. Donc on a toujours bah, notre famille qui est relativement très grande, hein, puisque on a, si on regarde, bon, on peut regarder directement ici pour voir un petit peu tous les hommes de la famille qui font partie, qui sont encore vivants. On a quand même 16 hommes dans la famille, mais bien sûr, il y a un peu plus de membres que ça. Actuellement, 39 membres vivants, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas le plus grand, mais en tout cas, on a déjà quand même un petit peu d'éléments qui peuvent être intéressants. Alors, je vais mettre un petit peu les hommes que l'on va voir. J'essaye de regarder un petit peu. Bon, on ouvrira ça un peu plus tard de toute façon. Voilà, on va fermer un petit peu ça. Donc, on en était à voir pour attaquer l'Italie, encore une fois, essayer de prendre les derniers territoires, de détruire le titre de royaume d'Italie pour le créer nous-mêmes, et ensuite pouvoir créer l'Empire d'Italie, peut-être ensuite attaquer la papauté, pourquoi pas, mais en tout cas on n'était pas très très loin de ce live, et si je termine un petit peu avant, et ben je ferai une petite pause, je pense, et je lancerai un autre jeu, pourquoi pas. Pas forcément du Crusader Kings 2, mais peut-être d'autres jeux, donc n'hésitez pas, bien sûr, à participer, là, puisque je suis en compagnie du chat. Bonjour le chat. Donc voilà. Bon, pour l'instant, je ne bouge pas trop, puisque j'attends un petit peu que les gens s'installent tranquillement. Bon allez, on va pouvoir se lancer un petit peu. Alors si je me souviens bien, dans le dernier live, on venait de terminer une guerre contre cet homme là. Donc voilà, on est, si on attaque, si on brise le casus belli, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tous les dirigeants chrétiens malheureusement. Il va peut-être falloir assassiner cet homme là alors. On n'avait pas un truc pour le faire assassiner? 92%, c'est plutôt correct. Voilà, donc on va se lancer dès à présent, donc dans toujours un petit peu nos complots pour tuer les différents rois, pour nous permettre, voilà, d'ailleurs, une courtisane d'Italie, on va lui envoyer un petit cadeau, et normalement elle devrait rejoindre notre complot. Ça fait toujours plaisir de trouver des femmes qui acceptent de rejoindre des complots comme ça. Il y a une possible indépendance, mais on va voir ce que ça donne un petit peu avec le temps. Rien de bien méchant de toute façon. Voilà. S'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas bien entendu à les poser tranquillement. Alors,
On va attendre un petit peu, voilà, que le temps passe. Je vais pas forcément faire grand-chose. Alors j'avais montré un petit peu l'astuce pour récupérer les villes en tête des endroits où on est. Est-ce que j'ai marié tous les membres de ma famille? Je ne sais plus. Donc on va rechercher les femmes dans le royaume qui ne sont pas en prison, qui ne sont pas mariées, non titrées, qui sont de ma religion, de ma culture, qui sont adultes et qui ne sont pas d'une grande famille, tout simplement pour... voyons voir si on arrange un mariage. Voilà, donc tout le monde est marié, courtisan de Venise, d'accord, c'est plutôt pas mal. J'avais vu que c'était pas très reluisant au niveau des Chinards, par exemple, ou au niveau des Tordas, va falloir faire attention. Peut-être leur proposer des mariages pour... tiens, on cherchait justement. Peut-être leur proposer des mariages pour faire en sorte que... en fait, qu'ils puissent avoir eux-mêmes des enfants. Tiens, il y a Doom qui joue aussi à Crusader Kings 2. Salut à lui. Voilà. On va arranger un mariage ici. Donc, je vais essayer de faire en sorte que les deux Tordas et que les Chinards aient des mariages intéressants. En tout cas, que s'ils ne sont pas mariés, qu'ils le deviennent. Malheureusement, vous voyez qu'ils n'ont pas forcément des enfants mâles. C'est pas vraiment une bonne chose. Ils sont mariés, mais n'ont pas d'enfants mâles. Donc là, on est plutôt embêté pour l'instant. Alors, c'est parti. Notre complot ici, il en est là. On a des revendications faibles sur le comté de Rhodes. Pourquoi pas? Oui, allez, deviens zélé. C'est pas un souci. Ça nous posera pas trop de problèmes. Est-ce que la Bourgogne... Est-ce qu'on pourrait leur faire la guerre? Oui, non, ils sont des carlings, donc forcément, voilà. Oh, quoique. Il ne pourrait pas appeler tous les membres de sa dynastie. Donc ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de revendiquer des territoires de ce côté-là. On est toujours bien placé, bien devant les Chinards, aucun problème. On a perdu notre maréchal, ça c'est plutôt dommage. On va en renommer un sur le champ. Alors, bon alors, il n'y a toujours pas eu de croisade pour l'instant, ce qui est un petit peu dommage. Mais on aura peut-être des nouveautés. En tout cas, l'Empire byzantin, lui, s'est bien étendu. Sur le duché de Suse, eh ben, ça tombe bien. Justement, c'est ce qu'il me fallait. Toi, tu n'as pas d'alliés? D'accord. Donc, on pourra déclarer la guerre dès qu'on aura récupéré l'argent, tout simplement. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais ça va venir, faut pas s'en faire. On gagne suffisamment d'argent pour ça. Mais en tout cas, il va pas être très content. Le roi Renaud IV, il a beau être le grand, il va se prendre les armées pas d'Italie, de Venise pour l'instant, parce que l'Italie c'est pas encore. Faut arriver à faire assassiner cet homme-là. On est à 131%, ce qui est plutôt un bon score. Encore une courtisane qui est décédée, donc ça veut dire un membre de la famille qui n'est pas marié. En général, hein, je fais très attention à ça. Je les marie à des personnes jeunes pour faire en sorte que justement... parce qu'il faut savoir que, alors je le rappelle, à partir de 45 ans, une femme dans Crusader Kings 2 n'est plus capable d'avoir des enfants. Donc justement, si vous gardez des personnes trop âgées avec vous, ça pose quelques petits problèmes. Bon, moi je me suis carrément choisi... quelqu'un de la famille, mais en même temps c'est un génie. Donc ça serait dommage de perdre ça. On va gagner encore des éléments. La construction, ouais, rien qui puisse être vraiment important. La cavalerie à la rigueur, mais on peut choisir des ambitions. Qu'est-ce qu'on aurait comme ambition? Avoir de l'argent, pourquoi pas. C'est pas fabuleux, mais ça ferait toujours ça.
Et d'ici quelques ben, voyez, 125 de revenus par mensuel, ça va qu'on a encore beaucoup de membres de la famille qui sont vivants, on va dire, parce que justement ça augmente. Allez, un petit assassinat. Si on peut déclarer en plus de guerre en même temps, ça serait pas mal. Donc c'est parti pour déclarer la guerre à ce roi-là. Alors je vais revérifier juste. Que oh, il y a tous ses alliés qui pourraient rejoindre. Ça c'est moins cool. Ça c'est moins cool. Parce que je peux pas me permettre d'attaquer. Qui sont mes alliés, moi? Et j'ai pas d'alliés, moi. Donc par contre, si j'attaque cet homme-là. Et certains ont des très bonnes opinions de lui. La Suède ne joindrait pas, je pense. Est-ce que la Suède est en guerre? D'accord. Ça, c'est dommage, ça qu'on n'ait pas pu. Tiens, je vais racheter des hommes. J'ai entendu une voix, je ne sais pas laquelle, mais c'est. Alors on a réussi à tuer le roi d'Italie. Bon, on s'est fait découvrir. C'est rien de bien grave. On va pouvoir continuer ici. Par contre, ça va nous permettre donc de déclarer la guerre à l'Italie pour la Slavonie. C'est pas vraiment tout ce que l'on voulait, mais au moins ça va affaiblir un peu plus l'Italie, ce qui donnera l'occasion à d'autres de l'attaquer. On va voir s'ils subissent plusieurs attaques. Ils se font déjà attaquer par l'hôte de Bratislave. Et je vois que la Bourgogne est en guerre actuellement contre Lunebourg. Est-ce qu'elle peut appeler? Non, elle ne peut plus appeler tous les membres de sa dynastie. Donc on va lui déclarer la guerre pour revendiquer Suse. C'est parti. Et puis on va attaquer avec notre armée complète. Voilà, c'est parti. On va pouvoir appeler notre chancelier et réunir toute l'Italie tout simplement. Donc voilà, nos armées se partagent en deux, c'est pas très grave. On va pouvoir partager nos armées ici, je pense. De toute façon, il y a peu de chances qu'on puisse s'opposer à nous. Mais vraiment peu de chances. Donc on va essayer de prendre des territoires rapidement. Ça sert à rien d'attaquer les armées du Dauphiné pour l'instant. Je vais juste vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'autres rois qui se joignent à notre guerre. Pour l'instant, on a gagné 1% des batailles. Bon, rien d'important. Par contre, ce roi-là, est-ce que la Lotharingie voudrait bien l'attaquer? Ça serait sympathique. La Lotharingie ou la Hongrie? Parce que sinon, il va nous falloir, nous, créer des revendications. Ce qui n'est pas pour me faire plaisir. Et duc de Nitra, duché de Thème, ouais, il y a pas mal de membres de la Hongrie en fait qui pourraient revendiquer ces terres. Éduquer enfant. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on risque de perdre? Oui, ça m'inquiète pas trop normalement. Ça risque de quitter mon royaume. Je vois pas en quoi, mais il va falloir faire attention. Peut-être que ça pourrait revenir à quelqu'un d'autre. Bon, théoriquement non. Mais bon, les théories, on avait vu que des fois, on devait garder le duché de Sardaigne et finalement, il est revenu à la papauté. Donc, ça pourrait être assez gênant. Pour l'instant, bon, on va attendre tranquillement les armées de Bourgogne. On les attaquera que si nécessaire. Le Aragon s'est un petit peu étendu quand même. Il a quasiment récupéré tout son territoire. Il lui manque une partie du duché de Barcelone, une partie du duché d'Aragon et les îles Majorque. Majorque et Minorque. La Galice a quelques soucis, l'Asturie aussi. Aragon possède des territoires ici, d'accord. Et les Oumeyades ont pris carrément le Léon et la Castille. Ils s'installent tranquillement, hein. Ça les dérange pas plus que ça. De ce côté-là, qui attaque? Oh, on a perdu notre casus belli contre. D'accord, il y a eu un changement de roi. Billard a récupéré ce territoire-là, donc pourquoi pas. Donc il va falloir redéclarer la guerre à l'Italie.
Ah, parce qu'en plus vous m'attaquez directement sur le piémont, vous avez pas peur. Je n'ai retenu qu'un de mes des nombreux sorts et invocations murmurées par la voix. Ils étaient longs et compliqués avec des tas d'ingrédients différents, pas facile à trouver. On est possédé? Non, on n'est pas possédé. Ah, on est zélé, et c'est le fait qu'on soit zélé justement qui fait que. D'accord. Bon, en tout cas, on va attaquer tranquillement l'Italie. On est en position de défense tranquillement. Ça risque pas grand chose. Et puis ils peuvent encore envoyer les armées. C'est pas un problème. Bon débarras, on en a tué un. En tout cas, on va pouvoir redéclarer la guerre à l'Italie sans problème. Déclarer la guerre, guerre sainte pour la Slavonie. Envoyer et on va prendre la Slavonie. Et apparemment, ils sont aussi en guerre contre la Lotharingie pour Pex. Donc en fait, ils vont attaquer Bach. Et donc ce territoire-là, il restera plus que Abouge. D'ailleurs, on vient de réussir. Déjà, on a réussi à avoir tout cet argent-là. Ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, on vient de faire tomber le château d'Ivray. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bienvenue aux nouvelles personnes sur le chat. Hein. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Je mords pas encore. Enfin, j'essaye, hein, mais généralement, c'est pas très douloureux. J'ai eu un fils, un petit participatio, qui est né d'un père inconnu. En tout cas, ça fait quand même un participatio de plus dans la famille, donc pourquoi pas. En espérant qu'il survive, par contre, parce qu'il est maladif, ce qui n'est pas franchement une bonne nouvelle, je dois dire. Mais en tout cas, ça pourrait être toujours sympathique. D'accord, j'accepte de payer la rançon, ça c'est bien gentil de ta part, ça m'arrange. Que 11.6, c'est pas énorme. Quelqu'un qui cherche à tuer un membre de la famille. Ça a été annulé. Il y en a qui veulent revendiquer des titres, d'accord. Bon, on a perdu un comptoir en Provence, c'est pas gênant. Depuis les dernières mises à jour, le fait d'attaquer les comptoirs commerciaux ne change pas. Il faut savoir qu'au tout début, hein, avant qu'il modifie vraiment et qu'il nerfe pas mal les républiques, on pouvait gagner contre les républiques en ne prenant que les comptoirs commerciaux. C'était une façon de s'opposer à elle, un petit peu comme on pouvait. Parce que ça donnait en fait à chaque fois 1% de score de guerre. Et si vous arriviez à prendre suffisamment de comptoirs commerciaux, eh ben, ça vous faisait remporter la guerre. En plus, il suffisait de remporter quelques batailles mineures en évitant les grosses armées que pouvaient lever les armées. Ça pouvait être très très bien. Bon, allez, encore un nouveau. Je suis devenu paranoïaque. Alors ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça me permet de monter ma diplomatie. Et si je ne suis plus paranoïaque, ma diplomatie prendra un petit plus 1. Donc ça la montera à 9, ce qui pourrait être pas mal. Bon, on a 77 ans, hein, on se fait quand même relativement très vieux. Autant dire que c'est pas forcément la joie non plus. Tiens, Dun Participatio, qui est toujours vivant. Est bossu malheureusement pour lui. 9% de score de guerre ici, c'est plutôt pas mal. Et bon, on va pas tarder à prendre la province de Zagreb. De ce côté-ci, la Lotharingie est en train de gagner 23%, c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que bah, le roi d'Italie a du souci à se faire quand même, hein. Beaucoup, beaucoup de soucis à se faire. En plus, on pourrait même essayer de l'assassiner encore une fois pour qu'il perde le titre. Ça pourrait être intéressant. On va faire un petit piège peut-être à l'armée d'Italie. En tout cas, bon, on va siéger les territoires tranquillement. Du moment qu'on prend les territoires de Suse, il ne pourra plus rien faire. Euh,
Victoire à Zagreb, ça c'est plutôt pas mal, on est passé à 13%. Ma femme est enceinte en espérant avoir un garçon, ça pourrait être sympathique. Oula, quand même, ouais, il y a quand même une grosse armée, ils peuvent aller jusqu'à 14 000 soldats. Mais à mon avis, s'ils peuvent enlever que 80%, c'est que c'est pas énorme. Ah, ils vont essayer de passer par la Savoie et de prendre directement le Piémont, à mon avis. Mais on pourra toujours chercher des. On a perdu. Ah, je me disais aussi, c'était bizarre. Le petit Saverio qui va donc avoir un nouveau tuteur. Et puis je pense qu'on va aller attaquer directement l'Italie. Si on écrase cette armée, à mon avis, ça devrait nous permettre. Allez, c'est parti. Les deux armées en même temps. On aura largement, on a plus du double de ces armées, donc aucun problème. Voilà, c'est fait. Armée écrasée, mais alors sacrément écrasée même. On a capturé des hommes en plus. Toi, t'es qui? Est-ce que tu voudrais être acheté? Cet homme-là, non, personne. Bon, d'accord, pourquoi pas. Tu vas du côté de Salus. On va aller reprendre nos sièges tranquillement. Il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne de ce côté-ci. On va écraser peut-être l'armée d'Italie encore un petit peu. Le roi de Bourgogne se rend. Donc, bonne nouvelle, on a récupéré toute la cité, ben, tous les territoires de ce côté-là. On va les ramener vers le sud de l'Italie, peut-être pour voir attaquer l'Empire qui, lui, pour l'instant, est en train de se battre pour Édesse. Alors ça, c'est une guerre assez récurrente, hein. Édesse fait partie souvent des guerres entre l'Empire arabe et l'Empire l'Empire byzantin, pardon. Je recherchais un petit peu mes mots. Voilà, donc on va donner. Ah, l'intendant de Trente, accorder un titre foncier. Je vais t'accorder la grande cité du Piémont. Est-ce qu'on peut créer. Non, annuler, 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 annuler. Je vais lui le donner directement. Accorder un titre foncier. La République de Suse. Voilà. Comme ça, au moins, on aura un homme qui sera content qu'on l'a qu'on l'ait mis directement au pouvoir. Alors, bon, bah, on va en profiter un petit peu pour faire le tour du pays. L'Écosse est quasiment réunie, il manque juste Teyðiodvald, et qui normalement fait partie de l'Écosse, mais qui pour l'instant appartient à l'Angleterre. Le pays de Galles, lui manque la Cornouaille qui appartient à l'Angleterre aussi. Je vois que Jorviks est encore. Existe encore. Alors il faut savoir que Jorvik, normalement au départ ils sont Norse. Ulster, ben tient un petit peu les conquêtes, mais c'est pas folichon, folichon en tout cas. Ils ont quelques territoires, mais c'est pas énorme. Ben, les Oumeyades viennent de encore reprendre des territoires, je crois bien. Les Abbassides, ils sont quand même réduits à peau de chagrin. Il reste pas grand-chose de l'Empire arabe. Ils ont une partie de la Mauritanie, mais c'est pas non plus folichon. On a la Mauritanie qui est ici, qui est plutôt en lambeaux. Le Mali qui a encore un seul et même royaume. Et on vient de gagner contre l'Italie, ça c'est plutôt pas mal. L'Abyssinie qui résiste encore, hein, la Nubie moins. Ça faisait partie de la. C'est le royaume de Nubie qui se trouve ici, mais ils ont quelques soucis. L'Abyssinie tient, ce qui est plutôt pas mal, c'est assez rare quand même. On a les Seldjouks et les Ghostasbides, pardon, qui tiennent encore tout ce qui est la Perse. Du côté des hindous, eh ben, il y a toujours ce royaume ici qui est musulman, tout le reste est partagé entre les différentes religions, les jaïnites. Les hindous ont quand même pas mal disparu, hein. Il reste les bouddhistes et les jaïnites principalement. On a les Coumans et le Turkestan. La Russie qui s'est formée, qui est toujours sous Ménousko, si je ne me trompe pas. La Ruthénie qui est aux dernières nouvelles orthodoxe, voilà. Et on a ici, ils sont Romuva, si je ne me trompe pas, la Lituanie Romuva, la Bohême sont slaves. Et on a la Suède et la Norvège qui sont catholiques.
Donc il y aura presque plus de Norse théoriquement. Je vais juste redonner ce territoire là, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais t'accorder un titre foncier, ça va être la grande cité de Zagreb. Félicitations à toi, et normalement tout devrait aller pour le mieux. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, eh ben, il va falloir essayer de créer des revendications. Alors, une petite candidat, non, non, je n'ai pas de. Pas vraiment. Ça c'est un peu de la Martinique, d'accord. Apex, 38%. On va essayer de créer une revendication directement sur le titre du roi d'Italie. Et de le faire assassiner, quoique pas, non. On va éviter de le faire assassiner tout de suite parce que justement ça pourrait empêcher la Lotharingie de finir sa guerre sainte, ce qui serait pas vraiment avantageux pour nous. Je vais descendre les armées vers le sud de l'Italie, dans le royaume des deux Siciles, parce que là ça pourrait être intéressant. Ah, dommage. Le calife Aram II a gagné sa guerre pour Edès. En même temps, il a dû être aidé par tous les musulmans, je pense. Oh oui, il a pris, en plus, il a pris une sacrée claque au niveau de l'or. Hein. Ça doit pas être très bien pour ses vassaux. Ouais, il y en a que quelques-uns qui ne l'aiment pas. Mon confesseur m'a parlé sévèrement, évitant clairement d'évoquer cette rumeur à propos de sciences occultes. Mais alors que j'acquiesçais à tout ce qu'il disait, il a perdu patience. Il m'a réprimandé et m'a demandé de me repentir et de ne plus m'adonner aux sciences occultes. Je me repens, plus jamais je m'adonnerai aux sciences occultes. Et alors, ce sont des rumeurs. Allez, j'ignore les rumeurs, juste pour m'amuser un petit peu. Puisque je suis toujours zélé, en plus j'étais déjà zélé, donc je vois pas ce que ça change. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est pas grave. Ah, on voit que les armées de Lotharingie s'installent tranquillement en Italie, 72%. Donc normalement, ils devraient récupérer ce territoire-là. Il y aurait peut-être juste après à assassiner le roi d'Italie. Ah bah ça, c'est pas mal ça. Sauf que ça empêche guerre pour Pex. Ah mais justement, si cet homme là se révolte, ça va pas bien aider. Guerre d'indépendance, pourquoi pas. Mais Pex n'est pas ici, hein. Pex se trouve what? Ah d'accord, il n'attaque pas l'Italie, n'est plus tuteur, d'accord. Donc on change de chancelier. D'accord, ça c'est pas mal. On va chercher un membre de la dynastie, par contre. Un homme qui fait partie d'une grande famille. Oui, qui est lié à l'âge. Alors normalement, qui est marié, parce que les membres de notre famille sont mariés. Et on devrait trouver, voilà, le prince Augusto qui va devenir notre héritier désigné. Par contre, il va nous falloir chercher voilà, cet homme qui va aller partir faire une revendication. On va pouvoir attaquer l'Italie, hein, de toute façon. Et il suffit de récupérer les titres. Là, c'est juste qu'on est bien trop loin pour pouvoir le faire. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors je fais pas forcément des conversions, en général je convertis que dans mon propre territoire, les autres, les conversions se feront d'elles-mêmes, je me fais pas trop de soucis pour ça. Est-ce que, oui, il y a, ou 7 enfants, ah oui quand même. Alors, éduquer enfant, toi, oui, éduquer enfant, ok. Et là, on va naviguer entre les différentes branches familiales de toute façon. Ouais, on a quand même plusieurs enfants qui sont considérés comme étant des bâtards. Ce qui n'est pas forcément le mieux, mais... Royaume de Pise, royaume de Gênes.
C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Oh tiens, on peut faire une petite guerre ici. J'ai une courtisane qui est décédée, ce qui va me permettre d'avoir l'occasion de trouver une femme qui n'est pas mariée, qui n'est pas d'une grande famille et qui est plutôt jeune pour la marier. Ah, Firestorm Cold. Voilà. Par contre, je vais regarder un petit peu l'arbre familial où on est allé. Ah, on n'a plus d'enfants de ce côté-là. D'accord, cette branche s'est éteinte. Et cette branche-là, je ne crois pas. Oui, il y a encore des membres vivants. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, généralement, quand on a des branches encore vivantes. Donc, je vais fermer ça. Bonsoir Steven, comment vas-tu? Alors, je voulais en profiter pour attaquer tranquillement cette personne-là qui s'est révoltée, puisqu'on pourrait récupérer tout simplement la cité de Marseille. Et moi je dis pourquoi pas. Donc on va en profiter, on va envoyer une armée à toute vitesse. Par contre je vais mettre un Candiano, oui, un Candiano à la tête des armées, c'est tout à fait bien. Les maréchals des tribunaux, ça, ça me dérange pas. Et un baron quelconque. Allons-y. Allez, je deviens charitable, ça peut être pas mal. J'ai comme ambition d'avoir un garçon, donc ça pourrait être bien. Pourquoi comme héritier, j'ai le doge de Lombardie? Je veux pas le doge de Lombardie comme héritier. Qu'est-ce que vous me faites là? Laissez mon héritier tranquillement. Alors ça c'est plutôt pas mal. On fait des choses mais notre héritier n'est pas notre héritier. Y aurait-il pas un petit... un petit bug quelque part? Il reste mon héritier théoriquement. Pourquoi il l'est pas mis comme mon héritier? C'est pourtant bien l'héritier légitime, celui que j'ai choisi. Je fais un pas. Oui, ça restera un participatio de toute façon, pourquoi pas. C'est juste une parente, donc on va tranquillement. Oula, j'ai pas vu que j'avais autant d'or. 5000 d'or. Mine de rien, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut augmenter nos comptoirs commerciaux? Eh bien, je pense bien que oui. Et on va essayer d'augmenter... Pourquoi je ne peux pas? Non, mais je veux les miennes, en fait. S'il cherche pas les miennes, ça va pas le faire. Donc voilà, je vais monter les garnisons. Ça devrait aussi monter la taille des escortes. Donc me permettre de récupérer plus d'escortes encore pour pouvoir faire encore plus de guerre. Donc on va monter les garnisons. J'ai 5000 d'or, j'ai largement de quoi faire. Allez, une garnison ici aussi. Garnison. En fait, ça me coûte quasiment rien. Enfin, ça me coûte quasiment rien. C'est comparé à ce que j'ai, presque rien. Par contre, les armées que je vais lever vont me coûter extrêmement cher. Hein. Ça, va falloir s'en douter. Ça va coûter très très cher, ça. Allez, encore quelques garnisons. Je vais me laisser à peu près 2000 d'or. Ça peut être pas mal. Surtout si je crée des revendications, ça pourrait être gênant si je n'ai pas ce qu'il me faut. Non mais prenez pas Marseille, vous vous embêtez pour rien. Enfin, comptoir commercial de Provence, c'est pas gênant ça. Vous gagnez rien quand vous faites ça. C'est toujours pas évident de leur faire comprendre ce genre de choses. Ah, cette fois-ci c'est le calife qui attaque pour Antioche. Donc Antioche qui est ici, Edes qui était ici, vous voyez que là les guerres vont se rendre constamment. De toute façon, tiens, j'ai un enfant à éduquer.
Éduquer enfant, d'accord, tu es devenu une éminence grise, c'est bien. Bon, pourquoi ils ont pas voulu... Voilà, j'ai bien mon héritier, c'est bon, il est bien devenu cet homme-là, mais je ne suis toujours pas devant les participations, les tribunaux, pardon. Donc on va rajouter un peu d'argent. Voilà, là on aura largement assez. Théoriquement, allez, on vient de reprendre le territoire de Provence. Et on va continuer, bah, s'étendre, hein, tranquillement. Pour l'instant, on joue un petit peu le jeu des cités marchandes. Tranquillement. Notre épouse qui vient... Tiens, on n'est plus mariés aussi. On va faire éduquer cet enfant-là. Et on va se marier. Alors... Peut-être faire un mariage qui pourrait être intéressant, pourquoi pas. Cette femme-là qui est un génie. Ouais. Princesse de Ruthénie, homosexuelle, ça surtout pas, ça fait perdre 15% de fertilité pour 10% gagné. Autant vous dire que c'est pas suffisant. La princesse de Pologne. Non, en plus elle est super âgée. On va prendre plutôt. Alors on va voir s'il n'y a pas des compétences qui pourraient être intéressantes, mais surtout qui sont qui soient relativement jeunes. Pourquoi pas faire venir du sang frais entre guillemets, mais que ce soit intéressant. Allez, on va payer 100. On aura peut-être l'attrait, l'élément fort. Tout le monde est concerné. Bah oui, un peu d'or, ça fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal. Là, on est en train de prendre des territoires tranquillement. Alors, la guerre qui se passe tranquillement. Ok. Pas grand-chose sur le chat actuellement. Le chat, il dort, hein. Il est tranquillement en train de se reposer. Ah, par contre, j'ai trop de territoire. Pourquoi? Ah, voilà, Orbetello et... Ah oui, ben, d'accord, j'ai peu de... En espérant avoir un fils rapidement. Elle est fin tacticien, par contre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah, et elle, elle veut une fille. Donc voilà, on va avoir les 15% qui vont être... On a hérité d'une baronnie, ça c'est ce qui m'arrange pas. Ok, San Vincenzo qui est ici, d'accord. Je ne la veux pas, merci. Je suis déjà trop. On a un nouvel homme qui est un ecclésiastique soumis, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Au moins, on va pouvoir le marier déjà, ce qui est plutôt pas mal. Arranger un mariage avec Napoléoné. Ça nous fait combien de membres de la famille là? Ah oui, on a quand même perdu sacrément des membres là. Il nous en reste plus que 15. Comparé aux tribunaux qui sont à 15 membres. Donc, est-ce qu'on va pas devoir envisager de tuer quelques tribunaux qui traînent? Genre cet homme-là qui a 75 ans, son fils qui en a 51, ça serait même plus accepté. Allez, on va faire quelques assassinats. Des assassinats de tribunaux, généralement, c'est bon. Des assassinats de tribunaux ou de Candiano, ça manquait un petit peu. J'en avais pas fait beaucoup des assassinats ces dernières parties. Là, on va pouvoir s'y mettre plus sérieusement. Non, toujours ce duché de. Bach est devenu indépendant. L'Italie, bah pour l'instant. Tiens, on va dire. On peut pas vraiment les.
on peut revendiquer l'Italie, mais pour un prince quelconque, ce qui nous intéresse aucunement. Donc on va pas le faire, puisque ça nous donne, on aurait aucun intérêt à mettre quelqu'un d'autre en Italie, à moins de lui donner un titre. Dans ces cas-là, pourquoi pas. Ouh là, attendez. Petit problème. Voilà, ça c'est fait. Alors, excusez-moi. Le jeu vient de crasher. Je le relance. Alors, je sais pas où j'en étais. Ah oui, j'étais quand même assez loin. Alors, on va voir. La guerre sera toujours en cours, théoriquement. Ça va être plutôt pas mal. Voilà, un petit crash. Bon, rien de sorcier. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, bon. Donc, le temps de relancer le jeu, par contre. Oui, donc pour en revenir temporairement donc sur cet élément-là. Il va falloir que si je veux que cet homme-là rejoigne bien ma cour, enfin quoi que non, si on lui donne un titre de roi, on va plutôt perdre des territoires, on n'est pas empereur, donc il n'y a aucun intérêt, c'est vraiment pas intéressant. Faudrait avoir quelqu'un qui ait une revendication sur le comté plutôt. Le comté qu'il possède. Et dans ces cas-là, on va essayer d'être un petit peu plus malin. Donc, voilà, on va se retrouver ici. Alors, que je revienne. Voilà, on devrait se retrouver sur Crusader Kings 2, pas de soucis. Désolé pour cette petite interruption, ce sont des choses qui arrivent. Alors, j'avais dit, regardez qui possède ce comté. Quels sont les prétendants pour ce comté qui accepterait, si possible, de rejoindre mon royaume? Bah, il n'y aurait personne, apparemment. D'accord. Bon, en tout cas, il y a des possibilités d'y avoir pas mal de guerres pour lui. Donc, on va essayer de faire une revendication. Faute de mieux. Voilà, on va remarier Napoléon. Et alors, par contre, il va falloir rechercher une femme qui n'est pas en prison, qui n'est pas mariée, non titrée, de ma religion, de ma culture, qui est adulte, oui, et qui n'est pas d'une grande famille, parce que ça m'intéresse pas. On lui avait donné cette femme-là, je crois. Voilà, et on va pouvoir continuer. Donc on va pas pouvoir récupérer ce titre-là pour l'instant, ce qui est plutôt gênant. Où on a été ici? On est toujours en tête, loin devant les tribunaux et autres. On va peut-être construire quelques éléments. L'épicier, cavalerie légère, facteur. Ça c'est plutôt pas mal, hein. 110 infanterie légère, 110 archers. Ça fait 200 armées, c'est énorme. Prestige annuel plus 10, martial plus 1. Intrigue plus 1 aussi. Salle des cartes, galère. Je vais prendre les jardins du palais temporairement. N'est plus tutrice. Ça c'est plutôt gênant. Là t'es plus tuteur de cet enfant-là. Éduquer enfant, d'accord. Au niveau de la famille. D'accord, on va regarder. De toute façon, on aura les membres de la famille au fur et à mesure. Aucun problème. Alors, est-ce que, par contre, l'Italie a... ben, l'Empire byzantin a de nouveau la guerre contre... Ouh, il a même deux guerres pour Antioche. Et pour Antioche, et ce sont deux... ce sont les Touloumides qui attaquent. Donc, ce sont les chiites et les sunnites qui attaquent carrément notre ami l'Empire byzantin. D'ailleurs,
Est-ce qu'il a des troupes? Non, il a quasiment pas d'argent non plus. Bon, il a encore pas mal de revenus, mais est-ce qu'il a des armées? Ah oui, 48 000 troupes. Ouais, il en a beaucoup. En même temps, le fait qu'il soit attaqué par des musulmans fait que il est attaqué par une armée infidèle. Et donc forcément, il est un peu plus apprécié de la part de ses vassaux pour ça. Bon, nous on est en train de prendre. On devrait prendre Marseille sous peu. Ça devrait être plutôt pas mal. Par contre, ma femme est enceinte, bonne nouvelle. Voyons voir si elle nous met, si elle nous donne un fils. 24, il est quand même très bien ce patricien des tribunaux. Hein. 24, c'est quand même énorme. C'est un peu dommage qu'il soit aussi âgé et qu'il faille assassiner. D'ailleurs, j'avais pas dit qu'il fallait assassiner les tribunaux. Si, il me semble bien. Hein. C'était assassiner ton fils qui nous importait. Ça serait dommage de perdre un tribunal, de perdre l'assassinat d'un tribunal en cours. Ce serait dommage pour nous. Je vais te trouver quelqu'un de bien. Oui, je sais plus, c'est elle qui m'a demandé. A promis un mariage. Oui, bah je vais te marier, ma fille. Directement au roi de Norvège. Tu vas être marié à un yearling. Qui est plutôt une grande famille d'ailleurs. Hein, les... Ah non, c'est Yingling. Yingling, d'accord. C'est une très grande famille hein, qui a vraiment régné sur la Scandinavie, si je me trompe pas. Vraiment une très très grande famille. D'ailleurs, ils font une révolte pourquoi? Ah, ils se révoltent pour la Bourgogne, ni plus ni moins, d'accord. Ils veulent récupérer le titre de Bourgogne. La Suède qui est installée hein, jusqu'au cœur de la France quand même, hein, dans le Charolais apparemment, qui ont ici ces territoires-là. Pourquoi pas, hein, la Suède, ils ont deux titres. Hein, je le rappelle, ils ont la Bavière et la Suède, donc ça leur fait quand même pas mal de titres. Tiens, l'Aquitaine d'ailleurs qui a des territoires de ce côté-là. Et personne ne va attaquer ce roi-là, là. Mauvais prêtre. Ça, c'est pas mal, ça. Siège d'Aix, d'accord. En fait, on attend juste presque la disparition de l'Italie. Elle est pas si loin que ça, hein. Il manque pas grand-chose. Mais il faut qu'elle intervienne. C'est surtout ça le problème. Ah tiens, j'avais pas fait attention, mais c'est Chica 84 qui pourrait devenir notre successeur. Ça serait le premier membre du chat qui arriverait à devenir. Tiens, Steven, vu que t'es sur le chat, tu vas devenir Demori. Tiens, je vais mettre complètement. Tu vas être mon fils. Donc j'ai réussi à avoir l'ambition d'avoir un fils, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, quel élément j'aimerais augmenter? Ben tout simplement mon intendance pour essayer de faire partir cette taille de domaine qui me handicape beaucoup. Est-ce que l'empereur a un peu moins d'armée par contre maintenant? 24 000 troupes, ouais, ça pourrait être l'occasion de l'attaquer. On a des casus belli, pourquoi? Pour Salerne, ça pourrait être intéressant de la part de notre duc des Apou. Duc d'Apulie. L'Apulie, c'est là, hein. C'est ça. Donc ça pourrait être intéressant de prendre Salerne. Est-ce que je fais un pas? Oui, pourquoi pas. Ça pourrait me permettre, si elle tombe enceinte, peut-être d'avoir un autre garçon qui sera un bâtard malheureusement, mais qui fera quand même partie des participations et qui pourra. Tiens, on a perdu encore un membre de la famille, pas de chance. On a perdu Holdonche. Toi, t'es plutôt bien.
En tout cas, c'est dommage, hein, on perd quand même. Bon, on a des membres de la famille qui sont relativement âgés, hein, donc ça aide pas trop. Voilà, on a cet homme qui vient de se rendre. On a usurpé la cité de Marseille, ça c'est pas mal. Par contre, ça c'est pas une bonne nouvelle, ça. De blesser notre maître. Enfin, celui qui dirige nos armées tout de suite, ça serait pas une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il perd ses guerres ici? Il gagne celle-là et il perd celle-là, d'accord. Et ses armées en sont où? 14 000. Et oui, les routes sont pas sûres, donc on va peut-être pouvoir assassiner ce tribunal, ça serait une bonne nouvelle. Et on va en profiter, je pense, pour déclarer directement la guerre à l'empereur pour Salerne. On va aller commencer à s'installer tranquillement sur les territoires. Allez, c'est parti pour prendre Salerne. Cette fois-ci, on est puissant, on risque pas grand-chose. Il y a juste à attendre que cet homme-là, après, il veuille bien mourir, par contre. Après, il est fort, donc ça lui donne de la santé. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein, qu'il ait de la santé. Vraiment pas. Est-ce que toi t'as deux autres enfants? Oui, apparemment. Il a combien de chances? Hey, il a presque une chance sur 5, hein, de réussir. Ce qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Tiens, je vais racheter un petit peu des hommes. Faire un petit peu d'argent. Toi t'es de la Bourgogne, donc je vais te rendre. Regardez, des gens de la Bourgogne, ça m'intéresse pas. De la Provence non plus. Ça c'est qui? Saluces non plus. Et Pâques, non, ça m'intéresse pas. Pas mieux. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. D'accord. Ah, dommage, on a été découvert. Ça c'est pas une bonne nouvelle. On va pas être très apprécié de la part de notre chancelier. Justement, voilà, un grand classique cette fois-ci, le vin frelaté. On va essayer de l'assassiner avec du vin. On gagne un peu d'or, ça c'est pas mal. Et de ce côté-ci, ça donne quoi? J'aimerais savoir quelles sont les armées de l'empereur en fait. Pour justement. Bon, on a perdu un comptoir commercial, aucun problème. On a réussi à l'assassiner. On va le fêter avec de la bière, un tribunal en moins. C'est toujours un problème de moins. Oui, il nous reste que 14 aussi, hein. C'est pas fabuleux. L'étang pittoresque est en construction. Ah, Saverio participe, Saverio Participazio. Donc on va pouvoir le marier et il va pouvoir continuer tranquillement à augmenter la famille des Participazio. On va le marier avec Bianca. Viens mon fils, viens. Bon, c'est pas mon fils, le fils de mon personnage, mais ça fait toujours un participatio de plus. Alors je sais pas s'il est compté lui comme. Il fait partie de la famille pourtant, mais apparemment il ne fait pas augmenter le nombre d'adultes mâles de la famille. Ce qui est plutôt étrange, mais pourquoi pas. Ah, il y a un soulèvement Fraticelli, Moderonega, d'accord. Est-ce qu'on peut lever quelques armées? Oui, 190 soldats, ça va pas aller très loin de ce côté-là. Est-ce que mes vassaux peuvent fournir des armées? Non, pas vraiment. D'accord. Bon, on va essayer de faire tomber les territoires ici rapidement.
On a de quoi lever les armées, c'est pas gênant. Qu'on le laisse en prison pour l'instant. Quoique, c'est un membre de la famille. Non. Bon, d'accord, aucun intérêt. Je vais juste prendre rapidement ces territoires pour emmener mes armées ensuite là où il faut. Et là, c'est pour avoir le tick des scores de guerre qui avance tranquillement. J'aurai 8000 troupes sur le terrain, donc c'est pas gênant. Un petit Alcatraz vient de naître. Bah tiens, je m'étais pas encore nommé, alors je vais me nommer. Voilà. Bon, je serai un bâtard, c'est pas gênant. Qu'on légitime cet enfant. Voilà, il est légitimé. Normalement, c'est un bâtard légitimé, c'est ça. Hériter, d'accord, je peux pas faire hériter un enfant apparemment qui n'est pas faudrait que je regarde si je peux légitimer les autres enfants même s'ils sont pas tiens, toi tu es décédé et toi, d'accord, donc encore un qui a perdu sa femme, dommage pour lui, une chinare qui est concupiscente, ça c'est plutôt pas mal, on va arranger un mariage de ce côté-là, oui. Est-ce qu'on aurait un autre tribunal à assassiner? Non, cet homme-là, ça m'intéresse pas de le faire assassiner, parce qu'il est plutôt pas mal. Toi d'accord. Ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà, on a réussi à prendre Salerne. Donc normalement, on a le score de guerre qui va augmenter tranquillement, sans trop de problèmes. Donc là déjà, le Doge devrait être, l'empereur devrait être un peu moins content. On a perdu un siège, aucun problème. Ouais, 14 000 troupes, hein, il va pas nous faire grand-chose, hein, pour l'instant. Et puis il a tellement à faire de ce côté-là. Alors, il gagne pour l'instant ces deux guerres, mais parce que les territoires n'ont pas encore été pris. Après, nous, comme on prend les territoires petit à petit, si, même s'il nous envoie ses troupes, après, bon, il va avoir le temps qu'elles reviennent, pourquoi pas. Mais en attendant, nous, on a le temps d'avancer. Et peut-être de prendre d'autres territoires, on va avancer comme ça. On est à 55% de score de guerre. Là, ça va avancer vite, hein, vu qu'on a pris le contrôle du territoire. Et puis moi, ça me laisse le temps de gérer un petit peu. Alors par contre, 55 galères, c'est 5500 troupes. Ça m'arrange pas. On va aller attaquer de ce côté-là. On va mettre par contre... On va éviter de mettre des membres de la famille à la tête des armées, parce que ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Et si en plus on prend du score de guerre sur le fait de détruire des armées, alors ils vont du côté de Crotone qui est ici. Bien. Alors comme ça on amasse le maximum de score de guerre. Voilà, l'empereur même se rend et il perd du prestige. Très bonne nouvelle pour nous. On va pouvoir créer le duché. Non, c'est pas le duché d'Apulie, c'est le duché de Salerne. De Jure, s'il te plaît, voilà. Le duché de Lucania, on ne peut pas l'usurper pour l'instant. Pourquoi? D'accord, il détient encore des terres. Chica vient de décéder, on vient de changer de doge, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça donne des prétendants pour le doge de Ferrare et le doge de Toscane qui pourraient nous attaquer alors qu'ils ne sont pas du tout des membres de la famille, pourquoi pas. Alors, on va par contre éduquer les différents enfants de la famille, hein, comme à l'habitude.
pas mal. Normalement, j'ai fait le tour. Ah non, il reste plus que Violante. Voilà, les fiancés peuvent se marier. Bah vas-y. Un chancelier, le comte de Amalfi. Pas vraiment, j'ai pas envie de mettre cet homme là. Quoique, allez hop. Tu vas aller du côté des autres territoires, voir si ça peut bien se passer pour nous. Alors, un intendant. Est-ce qu'on a un bon intendant? Oui. Et je pense que ça sera même notre héritier, cet intendant là, pour le coup. Parce qu'il a l'air assez âgé. Alors ça, c'est les problèmes quand on est sur des petits territoires, c'est arriver à mettre les conseillers dessus. Voilà, ça c'est fait. Alors de ce côté-là, qui est notre héritier? Ça a l'air d'être le prince CR287 qui a 60 ans. Ce qui est plutôt logique, on en a 61 nous. Et de ce côté-là, donc c'est normalement, voilà, il y a des hommes encore. Nous, on n'a pas de garçon, par contre, et on essaye d'en avoir un. Ok. Et on ne peut pas changer au niveau de l'autorité de la couronne, malheureusement. Voilà. Alors, le mariage, oui, mais c'est fait, c'est fait, c'est accepté. Vas-y, au revoir. Bon, par contre, on peut pas revendiquer Lucania parce que justement, cet homme-là est encore en vie et possède encore son titre. À moins de transférer... On va lui transférer un vassal. Et ça va être Amalfi. Voilà, lui transférer le comte d'Amalfi, ça pourrait être pas mal. Alors, ça nous fait changer de chancelier. On récupère celui-là, pourquoi pas. Peut-être une bonne nouvelle. Bon, par contre, il nous apprécie pas beaucoup. Et en plus, on obtient justement la revendication que l'on voulait. Et ben, juste ce qu'il faut. Donc, déclaration de guerre contre ce roi-là pour revendiquer à Bauge. Envoyer, on va envoyer notre armée de ce côté-là très rapidement. Et on va partir pour l'Italie. Et normalement, l'Italie n'existera plus, donc on pourra créer l'Empire d'Italie. Ce qui pourrait être sympathique, tout simplement. Mon avion a été perdu, ça c'est pas un problème.